فوالا تن مسس الوايد هنا مع بوليس البلج. فوالا تن مسس الوايد سوبر نوس. Le rapport de l'ONU a bien mentionné le rapport que nous avons adressé pour porter plainte contre le génocide kabyle. La plainte que nous avons déposée pour les arrestations arbitraires, pour les incendies organisés criminels de l'Algérie contre la Kabylie, pour parler de notre détresse en tant que peuple et en tant que nation.
l'examen périodique universel est une pratique qui a été instituée depuis très peu par l'ONU, où chaque pays doit périodiquement présenter les efforts qu'il a consentis pour améliorer les droits de l'homme. Nous pouvons le dire aujourd'hui devant le monde entier que l'Algérie, loin de faire des efforts pour améliorer la situation des droits de l'homme, les a empirés, les a massacrés depuis 3 ans. L'Algérie n'a fait aucun progrès en matière de droits de l'homme, bien au contraire, elle les a piétinés. L'Algérie a fait une constitution que la Kabylie a boycottée. La mascarade référendaire de 2020 ne consacre pas une constitution, et d'ailleurs, le pouvoir lui-même algérien, pouvoir colonial, ne reconnaît pas sa propre constitution. Elle la piétine. Autrement, le droit à l'autodétermination, qui est reconnu à l'ensemble des peuples à travers le monde, l'Algérie l'aurait reconnu pour le peuple kabyle. C'est la moindre des choses. Elle soutient des organisations qui utilisent la violence armée pour le droit à l'autodétermination et emprisonne ceux qui défendent pacifiquement leur droit à l'autodétermination comme les kabyles. Notre voix a été entendue par le monde entier. L'Algérie a reconnu, par biais de son représentant, que les conditions dans lesquelles elle évolue ne lui permettent pas d'améliorer la situation des droits de l'homme en Algérie. Ce n'est pas la situation que traverse l'Algérie qui empêche ce pays colonial d'être en conformité vis-à-vis du droit international. C'est la volonté politique de l'Algérie d'exterminer le peuple kabyle qui fait que les droits de l'homme ont empiré. Ce sont les orientations géostratégiques, notamment de l'Algérie, notamment l'alignement sur Poutine et Moscou, qui font que l'autoritarisme, les droits de l'homme, l'autoritarisme est renforcé à travers la violation des droits de l'homme en général. Pratiquement les pays se sont exprimés aujourd'hui face à l'Algérie. Je peux dire 3 camps. Il y a d'abord ceux qui ne connaissent pas du tout la situation des droits de l'homme en Algérie, qui ne connaissent pas du tout l'Algérie. On ne parlera pas d'eux. Ils n'ont rien à dire au général. Il y a toutes les dictatures assumées qui apportent le soutien à l'Algérie. Il y a tous les pays de la liberté, les pays développés, qui, eux, dénoncent l'article 87 bis par lequel l'Algérie criminalise les Kabyles. Tous les pays de la liberté ont condamné l'assimilation des Kabyles à des terroristes. Donc c'est un peuple pacifique. Chers amis, je dédie cette victoire d'aujourd'hui à ceux qui sont morts, qu'on a laissé mourir de Covid au fait qu'ils étaient kabyles, à tous ceux qui ont été brûlés vifs parce qu'ils sont kabyles, à tous ceux qui sont encore ou qui ont passé de la prison parce qu'ils sont kabyles. Vous voyez, l'injustice algérienne, je l'incarne
par ma présence à l'ONU. Vous voyez, moi, simple citoyen, paisible, artiste, poète, chanteur, écrivain, penseur, condamné à 20 ans de prison pour avoir revendiqué le droit élémentaire à l'autodétermination de mon peuple, le droit légitime de mon peuple. Je suis condamné, j'ai été condamné par ceux qui représentent l'Algérie ici à l'ONU à 20 ans de prison et je ne sais pas combien d'années encore ils vont, à combien d'années ils vont encore me condamner si ce n'est pas à la peine de mort. Je suis accueilli en gentleman. C'est une gifle pour l'Algérie. C'est une gifle pour l'arbitraire. C'est une gifle pour le colonialisme algérien. Je remercie au nom de ceux qui sont en prison, au nom de ceux qui ont été torturés par l'Algérie, tous ces pays qui ont apporté leur soutien au droit à la liberté d'expression, à la liberté d'organisation et à la fin de la discrimination et de la répression politique en Algérie. Vive la liberté, vive le peuple kabyle, vive la liberté. Les violations des droits de l'homme en général et en Kabylie en particulier. Nous saluons tous ces pays qui ont amplifié la voix de la Kabylie pour son droit à la liberté. تنميرتي كفرحة. مرسي. مرسي يا سيدي. عيس أرواح ناس. إلا قد يطفي. إذن غير كلي.